gen yon nouvel form de banditisme jodi a kap devlope nan peyi a. Yon nouvel form d'escroquery et d'extorsion qui fait à travers des comptes mon cash. Et que moun yo rele ou, yo dou son numéro de téléphone, bam code secret ou jwenn un cadeau ou bien yon prime de tel montant kob dans telle compagnie, Digicel, etc. Et pour capable recevoir comme ça, calme. Et drôle coïncidence, leur bail code secret, vagabond, malfrat, lui tout pirater code là. Et de sorte que donc, chaque fois où tu as mis cob sous mon cachou, sous compte, ou bien au monde, proche ou mettez pour vous, eh bien, voyou ça, malfrat ça, qui était pirater code là, eh bien, on pas besoin de goutte sous compte encore. Donc ça, c'est une nouvelle forme, une nouvelle stratégie de vagabond utilisé pour capable débraver, pour capable décapitaliser plus toujours des mounes de couches sociales faibles dans la société haïtienne. Et à ce niveau-là, moi demandé avec Digicel et Nacom pour être capable retracer pour nous, aider nous retracer et localiser moun sa yo qui d'abord m'a demandé pour moun sa yo, l'ensemble de moun sa yo qui subit bay sa yo déjà pour te plaindre dans paquet ya, et n'a demandé pour que Digicel et Nacom capable aider nous retracer et propriétaire téléphone sa yo. Et pour pas qu'elle soit capable de mettre action publique en mouvement contre malfrats. Et je me rappelle qu'il y a une loi sur le kidnapping. Je crois que la loi de décembre, si je ne m'abuse, 2017, d'abord 2009 et 2017, et qui prévoit dans l'article 93 coopération qui gagne entre Digicel et la justice. Et parquet notamment, pour être capable de contribuer et par rapport yo, dans la traçabilité propriétaire téléphone sa yo, cap fait des pratiques sa yo. Nous gagnons deuxième point ça, gagnons une autre forme de travail cap fait là par des manadrins, c'est appel rentrant sur téléphone ou, mounandou mon cher, souba bam tanko bam kidnappo, pita. Alors que c'est des vagabonds qui par hasard, qui relèvent les mounes, ils composent son numéro et ils tombent sous. Mais malheureusement, c'est sous le tombé. Et puis voilà, mando sous ou pas, bon tel corps, bon qui t'avoue. Moi-même, je fais ça. D'accord? Je fais proche ça. Maintenant, je demande à Digicel encore, je m'appelle Digicel sur ça, pour qu'aider nous. Capable de retracer vagabond sa yo et tout le monde qui subit action sa. Pour te plaindre, ba nous numéro de téléphone qui est là et pour nous capable de mettre l'action publique en mouvement à travers Digicel qui coopère avec nous dans ce sens. Et la loi dit, m'a dit ça pour Digicel, s'il vous plaît, pas menace, pas fait Digicel. La loi dit, si compagnie téléphone mobile, yo, t'as pour une raison ou pour une autre, pas aidé par qui accompli travail sa yo. Ah, mais la loi a pris pour complice de l'action criminelle. Donc, je demande vivement pour que Digicel n'a pas aidé de retracer le propriétaire téléphone qui a fait une menace d'enlèvement à partir des appels rentrants pour pas qu'il soit capable de sévir avec la plus grande rigueur de la loi contre ces malfrats, ces voyous, ces malandrins. Nous gagnons en même temps de faux comptes qui comptent. Relé moun qui dit que le commissaire Lafontaine Jacques a fait une séance de plaidoirie de procès qui a libéré moun dans prison, bon tant qu'on m'a blagué le bout. Yo fait ça sous le commissaire tout, mais comme dom bam la y passe la yé, c'est sous dom net monté pour faire ça. Et m'a dit que m'gagne
au moins trois moun dans prison là dans quatre bagages ça. Moi gagne un certain Mackenson qui dans prison là. Moi gagne Calixte Junior qui dans prison tout. Lui même Calixte Junior là, il te prend voix et Dozeni, l'ex sénateur Dozeni pour te faire passer message pour moun balcon. Et lui induit en erreur plusieurs moun dans sens ça. Le sénateur Silo par exemple, l'ancien directeur de l'ONA, pour me citer ça seulement. Donc, monsieur a amusé, a fait faux compte. Et puis, il a pris comme dans le monde. Et m'a dit mon seul numéro de téléphone moi-même, depuis pratiquement 12 ans, Bajam Gelot, c'est le 3766-2170. Barina comme tout, Bajam téléphone 10. Donc, si mon est là, m'a dit bien à tout le monde dans la société. Si vous malandrin, si vous voyou, si vous malfrat, si vous sans avé, on sanguine relo qui nous porte comme Bali, ah mais moi-même, ce n'est pas moi, sous nos moi, relais de CPJ relais pour nous capables de traquer vagabond ça. Et dans ce sens, on vagabond relais, et qui relais Césaire, tel bagaille. Si je me rappelle Mabdoulila tout à l'heure, tel bagaille Césaire. Monsieur Telagé en 2020 ou 2021, sous Abeyas. Monsieur Abiso a tout le monde en prison. Monsieur prend plusieurs corps dans le nom déjà. Mais tout le fil là, tu me fais pour me prendre, monsieur, je ne suis pas capable. Donc maintenant, je m'attends pour m'abgarder pour moi si je ne prends pas monsieur. Et si je ne prends pas monsieur, l'idée de diable, on va le faire pour prendre monsieur. Parce que monsieur détruit tout le monde sous nom. Monsieur le Césaire. Gilbert Césaire, merci beaucoup. Qui m'a dit mon nom? Figaro, merci. Monsieur le Gilbert Césaire, son vagabond, qui prend comme même dans Marco, même États-Unis, on dame, on te parle une petite lit. Il prend la rana, mais plusieurs mouns prévenus dans la prison, sous nom. Et monsieur permet de relever avant son téléphone international pour dire que mon cher, et me dit, regardez, c'est vous-même ou Césaire, Gilbert, ma parole quand même. Donc, moi, maintenant, ça dehors, tout le monde. Attention s'il vous plaît, pas quitter moun et jouer dans l'erreur. Cap dit nous, mais moun c'est Jacques Lafontaine qui veut pas comme. Et c'est pas ça, vous même qui fait. Jodia, moi j'ai un rapport qui dit me pas certifié. D'accord? C'est pas ça, vous m'avez dit sous moi. À tort, et que Jodia qui fait nègre, qui ne pas certifié. Mais m'a dit, je me connais. Moun ça me fait mal, moun ça fait bien. Et m'a si ton 3e, 4e non moun, c'est le greffier. On greffier dans le paquet là, c'est greffier, et comme monsieur encore, greffier Richard. Monsieur prend la rien dans le même monde sous moi, et me lance un mandat de DL. Et monsieur, je vais arrêter monsieur quand même. Je vais demander si je vais arrêter monsieur. Ah, moi, c'est moi qui ai débarqué demain. Monsieur prend la rien dans le même monde dans moi. Lui dit, il prend comme dans moi, c'est moi qui parle libérer le monde pour lui. Et même niveau téléphone, je ne sais pas. Donc, Chaudia me dit ça là, on met tout yem. On met voie tout yem. Et m'a dit, et que m'a jamais demandé avocat l'argent pour faire pour yo. Mais avocat l'a demandé yo. Donc si vous avocat, m'a demandé comme libérer moun pour ou, ou mettre la presse, dit ça. Dis ça, et m'a répondu la presse là. Donc maintenant, je dis à si n'a demandé m'a prendre comme pour moun, pour libérer pour moun, prendre comme pour libérer moun, mais pas moi même, pas mettre comme devant. Donc m'a dit ça, je dis à la presse, parler écrit et télévisé, et que travail ça yo, qu'a fait là, c'est des malandrins. De voyous de Valpa qui utilisent nos mounes pour faire comme sur tête moune. Donc moi-même, mon verre est petit. Je bois dans mon verre. Je ne vais pas faire l'argent. Je ne vais pas faire la richesse. Je suis petit malheureux, petite soyette. Et je ne vais pas jamais grand être dans la vie. Même quand on dit dans la corruption. Je ne vais pas grand être dans la vie. Si quelqu'un me fait ça, qui coûte 400-500 000 $, je vais dire à tout le monde, je vais le faire pour 150 000 $. Viens prendre le même. Je fais cadeau pour 150 000 $. Pour venir prendre le même monde qui est encore venu prendre le même mal qui est payé. Donc, merci beaucoup. Si quelqu'un question, je vais répondre. C'est juste, nous connaissons récemment que vous avez sauvé. Écoute, je dis que ce dossier, c'était sous manque de vigilance. Les agents de sécurité, par Kéa, que trois prévenus, ça a été sauvé. Mais je vais rétablir la vérité dans tout cela. Un. Trois prévenus, ça y est, c'est trois prévenus, deux là-dedans. Ils ont été pris sous place Saint-Anne en face lycée Toussaint.
Et que l'aimer le commissariat Port-au-Prince m'a demandé est-ce que les ça ont pris un gros âme la caillou. Le commissaire du monde dit non, 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 c'est non. Donc ces deux messieurs, ils ont été soupçonnés de antenne, gang ISO, et que sous bazar ont été pris comme antenne. Donc pas de question, ils ont pris un gros âme M4 garder la caillou. Jean, dans de certains droits humains, fait comprendre une radio, non? Communication te fait sous ça. Donc, pas de gros salon te prendre en deux messieurs ça yo, c'était des messieurs qui te prend comme un tennis et vous devine là. Troisième élément qui est là dans le dossier, lui même lui pas te sauver, c'était un élément qui prend à un zam qui est illégal, mais lui dit il te enclenché procédure déjà pour te rendre en légal. Et moun sa te là, lui pas te sauver lui même. Donc, monsieur qui t'a sauvé, le commissaire qui a pris le dossier, il a pris un dépôt contre lui. C'est-à-dire, c'est après audition de l'affaire qui t'a porté à connaissance par Kéa et que t'a ordonné de mettre un garde à vue pour aller en dépôt dans le pays international. Donc, les commissaires en charge de ces dossiers ont bel et bien fait leur travail de commissaire. Ils ont fini de t'en et vous voyez, ils ont allé en garde à vue. Donc, c'est en garde à vue, le chef de sécurité de garde à vue, il dit. Il n'y a pas de rien au compte si la deuxième barrière n'a pas de cadre dans la même. Donc j'avais produit mon rapport et je l'avais soumis à ma ministre de tutelle, Maître Emily Prophète Milsé, pour les suites administratives. Donc pas question que tu aies des âmes de ta propre caille, c'est sous place 7 années d'arrêter. Donc pour l'heure, il y a une arrêté encore et qui est en prison actuellement.